This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class LLC. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe en ce dimanche 14 janvier 2024. Au menu de cette édition, les funérailles du chanteur Pierre Villers, décédé le samedi 30 décembre écoulé, ont été chantées hier samedi à l'église Assemblée de Dieu de la Sanctification du révérend pasteur Carlo Nazaire, situé à Orange, New Jersey. Des sessions de travail sont en cours pour préparer la tenue prochaine à New York d'une convention de la diaspora haïtienne. La prochaine réunion est prévue pour cet après-midi 4 heures à Huntington, Long Island, New York, et à l'auditorium de la croisade évangélique des pêcheurs d'hommes à Brooklyn, New York. 14 gradués de la promotion Besker College LPN décembre 2023. Ont reçu leur certificat de fin d'études au cours d'une cérémonie de graduation qui s'est déroulée dimanche dernier à l'église Salem, East Orange, New Jersey. Le 20 avril prochain sera organisée la journée du livre et des médias à l'auditorium de Gateway Christian Church, Valley Stream, New York. Comme invité ce matin, nous avons Hervé Villers, Gonal Monsion, le docteur Nathalie Frédéric-Pierre, le docteur Franz Lecomte, le docteur Daniel Desrivières, Jean Béliard-Lucien et le docteur Joram Réjou. Haïti première classe, je suis religieusement ou pas capable là. Parce que 8 heures du matin, même si je rentre à 5 heures du matin, il faut ouvrir la télévision pour regarder Haïti première classe, number one. On peut essayer jeudi dimanche, à partir de qui là, nous parlons de quelqu'un qui fait dans l'Antillaise là. Et c'est Karim Image qui a célébré 27e et, en fait, activité que l'habitude fait. Et 26e anniversaire, c'est ça? C'est ça, Peter? Oui, 27. Bon, en fait, dis-nous, Peter, qui ça qu'il y a? Bah, ça va être moi qui ai l'impression là, moi qui ai affiché dans le programme. Oui, c'est 27e anniversaire Martin Luther King Award Dinner Dance
que n'a font on trois célébrations liées Dr King anniversaire Kylie Minogue puis n'a pour nos leaders n'a bien Bishop Phyllis Nicolas n'a pour nous et n'a bien plusieurs community leaders elle ici Miss Valerie Walters et n'a bien Sandy Germain Consulting n'a bien un pile l'autre monde qui a participé avec nous n'a pour tout le monde qui pas bien lagué et activité ça qui est à présent avec nous. Je suis pour vous venir participer dans le programme ça qui a fait dans Antilles, dans New Hyde Park, à partir de 7h dimanche 14. Donc, je dis à 7h là, donc, on va débarquer sur là. Est-ce que qui entend sur les sous-parles? On a plus le monde. En plus, mon, qui a fait réservation, en plus, mon, nous remercions Haïti pour les classes tout, qui a, ben, nous coûte main à programme là, et nous remercions HLF, Haitian Leadership Forum, Arialis, toute l'équipe, Similien, Whistler Jacques, tout le monde, toujours, pas j'aime la guerre. Tout le monde a dit, il y a des bacs dans la pita là, parce que le monde là, que le docteur Gambi, qui a dit la page, on dit quand même, c'est pas plat. Moi, je me dis, oui, tout, on va sur ma plat, mais tout le monde doit décoller là pour pas écouter main. Et parce que et ce maintenant là où tu es débarqué là dans 220e dans ta pète dans City voilà on va me caper nous on va dormir nous vite mais oui nous a baï ici quand sur même écoute mais et quand sur même Rita Joseph ils font belle activité avec quand sur même Farah Louis et toute équipe yo Mercedes Narcisse quand sur même chez toute équipe yo nous en pile monde présent communauté de présent pour 220 années on connaît malgré Haïti en pile problème ne pas prêter sur ça c'est plus parler de fête là qui rive sur nous là même OK non on va pas là n'a image là de fête là qu'on fait pour nous mais cependant OK fête là lui-même en général ça fait 27 édition de fête la coupe. Qui j'en oui. Compare évolution fête là en termes de trois que le prend et j'en mon supporter Caribbean Image. Oui, bon, nous supporter, nous gagnons un peu le monde talent avec Dr. Alette, avec Gérard Kader, l'équipe Ropio, tout le monde, nous disons là, il y a avec moi à supporter le programme là. Et nous remercions tout le monde qui a déjà acheté ticket, et c'est lui, tout le monde qui a supporté le programme là. So, un peu le monde qui est en fait pratiquer yo remercier tout honoré yo tout média partenaire yo qui ban nous en pile support remercier tout monde tout comité à tout qui a aidé nous en pile remercier pour j'arrête que yo ban nous OK non j'aime moi parler là parce que vraiment pile non là oui en pile non de monde là qui supposé présent dans fête sa capitale dans l'antièse et dit nous par exemple en thème et de programme a bien danser a bien monde qui a honoré. Et qui a mangé l'antillais à pied exactement? Qui va nous servir ça exactement en termes de ça, mon local? Manger, faites là, nous faisons les locales. Nous disons local là, nous allons manger avec créole, manger haïtien, nous faisons le club haïtien et puis nous prenons le jazz local tout. Quand on a mon café, l'autre bagaille dans l'autre niveau, aller dans le côté blanc, aller faire l'autre bagaille, nous voulons faire bah la locale, la pkembe bayo avec haïtien, nous faisons la famille. Oui, n'a Québec comme la famille parce que si toi Haïti qui problème, nous pas capable font fête gamin qui a fait fête 100000 dollars au côté le bail blanc. On va dire que ça on va que nous fait en famille, n'a Québec bail dans communauté haïtienne là. Il veut dire que fête ça manger créole, musique créole, jazz local, toute bagaille. Restaurant créole, tout bagaille créole net. Tout bagaille créole. Seul bagaille si on étranger vient là-bas nous comme là n'a prend quand même mais tout bagaille créole. En fait, parce que et en fait et est-ce que a bon surprise pita en fait là c'est pita là et est-ce que gagne de surprise que on quitte mon yo pita oui il y a surprise parce que nous gagne quelques surprises à mon abonné est-ce que surprise là il pas surprise encore on va pas dire sous dire surprise oui 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 il y a surprise grand pile surprise en pile fleur pour mesdames yo vini et mesdames yo jeune fleur en fait là et tout le monde qui parle fêter Saint-Valentin depuis qu'on est là pour commencer venir connecter tous les petits amis viennent dans fête là parce que on vient nos petits amis avant parce que mesdames y a été très belle monsieur a été aux jeunes gens il veut dire que je parle avec dit connecté ah bon donc ça veut dire que des pour me rendre là dit connecté va connecté va connecté OK pas téléphone en pita pour monde qui est intéressé ni acheter ticket ni connecté pour connecter la boutique à 917 tu capable zèle 917 468 52 19 et puis il y a un ticket yo réservation yo et puis n'a pas spécial avec Haïti première classe. Thank OK, d'accord. Merci Peter que me fait nous pas venir image ça on est Peter. Ça le point pour nous en City Hall là. Ce maintenant pour capable bien mesdames yo. Si en fait et officiel haïtien même il était pété
220e anniversaire indépendance pays d'Haïti. Est-ce que vous êtes trop fatigué pour chita demander des monde pour yo menon kay docteur? Yo perd du jour travail pour yo ka occupé ou? Pas gen raison pour continuer absent aussi un embarrassement pour famille ou? Parce que docteur Kevin Well la caillou. Rough and House Call a vinn ba ou bon jan soin la caillou, que ce soit ses visites routines, les ou malade, renouveler médicaments, test sanguin, radiographie, sonogramme, tout ça yo capable fait la caillou. 855 800 3444, 855 800 3444. Clinique Dr Daniel de Rivière offre service consultation pour yeux, prescription lunettes avec prévention toute maladie qui affecte vision non. Dr Daniel de Rivière, 32 North Day Street, Orange, New Jersey, téléphone 973 676 8113. Comme il fait groupe Tabli Lamboclin pour vous effleurer tout côté pour toute occasion, tant que mariage, anniversaire, baptême, communion et funérailles. Adresse là, c'est 1452 Flabouche Avenue entre Fagot et Gnenoud. Téléphone 718 576 6068. We thank you for bringing the students from a mighty long way. You know the sacrifices they've made, you know the troubles they've seen, but they've made it. And for this, we thank you. We thank you for their family members, we thank you for the school, the faculty. We thank you for what the school represents in the community that they serve. We ask that you would be with us throughout the service and you would continue to be with the student throughout their career. This we ask in the matchless name of Jesus. Amen. Aujourd'hui, on présente l'aboutissement d'une année de travail acharné et des nuits sans sommeil. Moi, Wesley Cadet Foros, représente la communauté
francophone de Basse-Terre. C'est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à notre cérémonie de remise des diplômes. Nom c'est Stanella Toussaint. Je représente la communauté qui parle créole dans Basse-Terre Collège. Et c'est avec un pile plaisir que nous accueillons dans la cérémonie de graduation. Tiowani a été le Basse-Terre Training Institute. Si à Tiri Okoloko, Ruby, Nigeria, Jamaica, Guyana, Saint Vincent et Trinidad, Oje Ayo Ofumi. Lati ki yin kabo si ibi aseye yi pelu opolopo ayo mo ki yin kabo fun awon ore mi ati emi papa si ibi aseye best care community e kabo si ori eto ai na sonu no 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 bochi nke ta ọ dịghị ezi anyị gbara mbọ kamgbe ofu afọ gara aga wee bịaruo n'ụbọchị nke taa obi ịba ya aṅụrị ịchịkọta akpụkpọ mba anyị niile arahụhụ ụra abalị anyị niile anyị na-achịkọta ya n'isi n'ụbọchị nke taa ọ bụ ihe inye anyị aṅụrị anyị na-asị unu niile bịara ebe a n'ụbọchị nke taa ndị Basse-Terre niile na ndị klasmeti niile na-asị unu niile nọọ no. Everyone who has made an impact on the graduates who stand here today. Today represents the culmination of a year of hard work and sleepless nights. I, Jim Wardow, represent the English-speaking community at Basse-Terre. We would like to thank you for joining us on this special occasion. Today is one of the occasions where we get the opportunity to celebrate our achievements, our perseverance, and successes as we have grown so much together. To the families and friends present, your support has been vital in our success. Your encouragement, understanding, and sacrifices has helped pave the way for our accomplishments. We thank you for your presence here today and wish you a warm welcome. And on behalf of the administration of Basse-Terre College, I want to welcome each and every one of you at this evening graduation ceremony. The weather's not the best, and you could have been anywhere else, but you chose to be here to support the students. And for this, we say thank you and welcome. Welcome to each and every one of you. We will proceed with the representative of the class. For every class, we elect a class representative, a body representative, to serve as liaison between the class, between the students, and the administration. So this morning, I will ask you to join me in applauding to the podium, Ms. Vanika Alliance, who stands strong. Today is as much your celebration as it is ours. And we share this achievement with you with pride and gratitude. Nursing is not just a profession. It is about compassion, empathy, and the unwavering commitment to alleviating the suffering of others. It is about being the advocate for those who cannot advocate for themselves, providing comfort in time of distress. Each one of us has chosen this path because we are driven by a deep-seated desire to make a positive impact on the life and those in need. As we enter this world, we will undoubtedly face challenges, witness miracles, and experience the profound responsibility that comes with being a nurse. The journey ahead may not always be easy, but let's remember the strength and resilience that brought us to this moment. May we carry forward the lessons learned, the friendship forged, and the compassion instilled in us during our time in school. Let us embrace the unknown with open hearts and minds, knowing that our education has equipped us with the skills and knowledge needed to make a difference in the life of our patients. If we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend.
bottom of my heart, I can tell you there is no greater reward you will get than knowing that something you just did saved somebody's life. In addition to that, when you can't save a life, at the least make one happy. Someone once said to me, "You are so nice, you're so caring. I really feel like you make us better." And I said to the patient's family, "Oh, I'm just doing for you what I hope someone will do for me and my family when my time comes." Remember that at all times, that when you care for a patient, that patient will one day be your family or yourself. So give of your heart. Be competent and caring, compassionate, because one day someone will give back to you and your loved ones. Last thing I have to say, congratulations. I know this was not easy. It was a journey. You're grown-ups with all kinds of challenges, but congratulations, you made it. I look forward to seeing you on another graduation stage, not too far from now. Because as I mentioned, competence requires that you continue to grow. So go forth. Claim your piece of healthcare, and we as faculty and other nurses are here to support you. Do not forget to call on us if you ever need us. We are here for you. Congratulations again, and well done. God, in presence of this assembly, to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous. And will not take or knowingly administer any harmful drug. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession. And will hold in confidence all personal matters committed to my keeping. And family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling. With loyalty, and I will endeavor to aid the physician in his work. And devote myself to the welfare of those committed to my care. So help me God. Dr. Florence Brown, Director of Nursing at Best Care College. Faculty, Dr. Theodore Fayette, President and CEO of Best Care College. Distinguished faculty, ladies and gentlemen. It is with esteemed honor today that I stand before you, Dr. Marv Lavelle, as one of the faculty, presenting to you for the first time the graduating class of 2023. We have 14 members in this class, 12 female and 2 strong, black, tall male. Ladies and gentlemen, please give them a round of applause. They have worked very hard to be here today. Miss
Olunike Ajibade. Miss Olunike says that Vanika Alain. Wesleyn Kader. Sheila Kendrick. Anushka Kasi. Abakuk Senofa. Marie Fortus Philistin. Charlene Perseus. Charlotte Thompson. Estarnella Toussaint. Chidubro Umemwobi. Jamila Vidal. Today is a snow day. It's not every day that we have a graduation on snow days, but we had to get it done. And the graduates were tired of waiting, tired of taking exams. And finally, regardless, snow day or sunshine day, they wanted their graduation to be done. And this is what we have done today. I know that they work very hard. And the family also, some days, we are asking ourselves what's going to be next, because testing, paying for testing, of course, these are not best care testings, just to let you know, what the students have to be taking exams because they have to be ready for NCLEX. So it wasn't easy as they're working as regular human beings and leaving the school, they have to become nurses. And nurses, you have to be transformed. It cannot be something you just walk in and just grab. You have to earn it. You have to work hard for it. And each and everyone need to be congratulated because they work hard. And guys, I'm so proud of you. And of course, we cannot please everyone, because everyone who work to best care, because we have 100% passing on the board of nursing, so graduates expected to pass. Each student said, we're going to pass. Regardless, they have to take exam, they have to study, they put things in their mind, they're going to pass. But of course, it takes hard work. So not everybody can be pleased, but we try to graduate as many students as we can. We give them exam over and over, and of course, they're going to pass. And we ask the family also to support them, to be there for them until they pass. Because if they're at the school and they're going to take their exam and fail their exam, we're not going to say it's successful. So the students work very hard. And of course, we thank you, family, for your support. We thank the faculties. And we thank the kids, everybody who's part of it. We just want to thank you. And I always said, behind each student, there is a special person, husband, wife, family, who's always there. And I will give the student 1 minute to just go and, you know, say thank you again, beside what we said at the graduation. Please get up and give that up to that special person who been there for you, who tell you you can do it. So I just need you guys to do that. Oh, my.
Théodore Lafayette offrant pile service tels que rachet dents, cleaning, plombée dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Miguel Ressouen Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Ressouen offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, ripasse et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Rosebery, 516-338-4933. P&B Pharmacy, établi dans Brooklyn, New York depuis 2016, et l'a servi communauté comme ça doit. Y a un staff courtois, professionnel, qui parle créole et qui remet aux prescriptions médicaments, cool paré. P&B Pharmacy, 1115 Nostrand Avenue Brooklyn, New York, téléphone 718-649-1111. Un point qui fait actualité, c'est démission Dr. Claudine Gay, qui était président Harvard University. Et comme nous connaissons, il y a une plus grosse université qui existait aux États-Unis. Donc, maintenant, pour nous capables de comprendre, en fait, démission ça, et pour nous capables de comprendre ici, en tout, dans la dimension que le prend, l'importance que l'éducation, donc avec nous, quoi, ce qu'on a ici, nous avons avec nous, et d'abord, Dr. Joam Réjou, qui est régulièrement avec nous dans le programme, non? Nous avons Dr. Nathalie Frédéric Pierre, qui est avec nous, plus jeune parmi nous, et on dame tout qui l'a. Capé suivre. Et enfin, nous avec nous, professeur, et en fait, Franz Lecomte qui est avec nous pour débléter avec nous. Docteur Lecomte, et ben, un peu circonstances qui menaient à, en fait, démission docteur Claudine Gay. Bon, docteur Claudine Gay est arrivé par démissionner parce que gain une série de actions que yo accusé certains étudiants dans toute grande université yo, que c'est Harvard, que c'est Lord MIT, que c'est Pennsylvania, enfin ou bonne université côté que gon bonne manifestation cap fête si vous voulez un peu pro palestinienne, que yo yo pensais que toutes les manifestations qui faites pro-palestiniennes, surtout après ça qu'a fait au Moyen-Orient, je pensais que ce sont des choses, ce sont des réactions antisémites. C'est-à-dire, ils ont accusé tout étudiant et surtout administration université ça, que ils n'ont pas pris assez de mesures. Et puis, je pensais, c'est dans justement, ça nous t'a expliqué, hein, que Bagala vient tomber, surtout après audience qui était faite le 5 décembre au Congrès, côté que la Chambre des députés, la Chambre des représentants, commençait à poser trois présidents d'université, toute question ça, et ça a fait sous campus. Moi-même, je pensais que, bien que Dr. Gay dit qu'il fait erreur, et c'est vrai qu'il fait erreur, mais il fait erreur d'ordre politique. Parce que lui pensait que l'a expliqué, le sincère, que lui dit même si le monde a fait certaines réactions, par exemple, ça pas voulu dire que, par exemple, le mot intifada, ça pas voulu dire que ça veut dire que pour craser Israël, pour aller à l'encontre du peuple juif. Lui même, lui a une explication intellectuelle. Et me pensait qu'il est trop fine, me pensait qu'il est trop nuancé. Pour être accepté lui sans que lui-même lui porte qu'on comprenne en face qui est-ce que lui est. En face monde que lui est, ce sont des membres de MAGA, c'est-à-dire des monde qui appartenu à une sorte d'extrême droite si vous voulez des États-Unis et qui compte toute bagaille ça. Par exemple, ça pas étonné où, par exemple, non seulement que ont accusé et Dr. Gay antisémite, etc., etc., mais ils ont même allé pour écraser le même, c'est-à-dire pour détruire tout ce qu'elle a accompli, et pourtant c'est une plus grande scolaire qui gagnait en politique aux États-Unis, en économie aux États-Unis, comme Wendy, il fait deux thèses qui sont les meilleures thèses de l'année. Donc, moi-même, moi-même, que il tombait non courant, que lui pensait que lui était capable de bailler des explications logiques, rationnelles et sensées, tandis que c'était dans la politique. Mounsayo, ce sont des membres qui participaient très sérieusement à toute prolifération de l'idéologie qui a fait ici aux États-Unis, et ils n'ont pas gagné
aucune, il a pas exercé aucune logique, il a pas baillé mon aucune chance depuis que ou pas d'accord avec eux. Donc, okay, non, docteur Réjoui, je vais expliquer, non, pays côté, en fait, puis dans mon speech là, et c'est ça qui est en clé dans la société américaine là, que nous arrivons dans la phase de polarisation, ça a que, en fait, et docteur Le Côte expliqué là, et qui mettait docteur Gay dans la situation côté que vin accusation d'abord devant Congrès, ensuite, et plagiarisme qui poussait la démission de docteur Réjoui. Bon, alors, question plagiat, son. Fon di plagiat son faute grave. Mais cependant, ça que yo utilisé, y a utilisé plagiat contre Dr. Gay, son un bagay ki routine ki passe nan niveau scholarship tout temps aux États-Unis. Et en plus de ça, yo bon chance pour corriger le tout s'il fait. So, c'est pas ton bagay ki si grave jusqu'à ce que pou ta démission. M'pense, m'd'accord avec Dr. Lecomte que Dr. Gay prend non courant politique côté que Dr. Gay pas capable pas articuler réponse li à niveau politique, il était plus paraître à niveau intellectuel, il était trop nuancé tant en professeur Le Conti. Mais cependant, ça qui est important pour noter, c'est que c'est pas le Dr. Gay paraître devant Congrès qui était déjà derrière pour retirer Dr. Gay. Depuis qu'il a nommé Dr. Gay, te gagné moun qui te commencé critiquer qui a parlé de lui malgré que tout respect que yo gagné dans milieu science politique aux États-Unis, c'est un plus grand expert vivant qu'on y a là sur question relation race avec politique aux États-Unis mais le fait que ils sont filles noires, ça crée un problème pour une série de monde. Et surtout gen moun nou ka même nommé, nou ka nommé un moun tankou Bill Ackman qui publiquement critiqué et nomination Dr. Gay sans pote ko même mette le président, yo vin mette le président, li continue à parler et li même tout li financer sort a dit une campagne contre Dr. Gay. Mais ça qui est plus grave, c'est que ça que li vin à la fin pour reprocher Dr. Gay là, madame ni fait même bagarre là, elle trouvait que li pas si grave. Et c'est hypocrisie ça qui pas bon parce que et c'est pas seulement yo te gen doit pas d'accord avec Dr. Gay politiquement et puis yo fait l'aller. Ça pas si grave, bon, ça fait tout temps. Mais cependant pour yo commencer à attaquer caractère li, là li rivé dans l'autre dimension et c'est là question race la vin poser. Est-ce que c'est parce que Dr. Gay son fille noire? Et toute évidence montre que moun sa ou ka parler, surtout activistes ka parler contre Dr. Gay, yo gen yon agenda politique, surtout sur ça qui gagne pour la diversité et équité dans pays ici. Et c'est ça qui a la base en campagne qui fait contre Dr. Gay. Ok, now, et Dr. Pierre, et en fait, même comme jeune scolar, et comme yon fille noire en tout, yon haïtien tant que Dr. Gay, et qui j'en vive, et en fait, événement ça, ils ne font pas surprise, est-ce qu'on tape tant de parce que ou non, au milieu, tu as évolué, comme on se là, ou à petit, ou gain interaction avec l'autre monde qui, en fait, étranger, ou capable de victime éventuellement de discrimination, qui j'en vive. Merci un peu pour la question. D'accord avec tout ça, nous offrons dans la salle après-midi. Ça m'a ajouté, c'est président Gay avec. Non, excusez-moi, besoin de parler en anglais pour me clair, I swear. So, President Gay, the charge about plagiarism and her lawyerly approach at Congress, those two things, the way that it was handled, that's the way she was supposed to handle it. You do not become the president of one of the most powerful universities on the planet, and you do not speak in lawyer talk. She was specifically picked for that type of nuanced presentation. Someone who stays cool, someone who stays calm. They train you to do this. They deliberately pick you out as you are being trained in graduate school for those qualities. So in many ways, President Gay was punished because she was
exceptional in her training. The second point I want to pick up is the plagiarism. The university reviewed the plagiarism and they said there was no plagiarism found. There may have been some uncareful, sloppy citation, but in the end, Harvard University backed her up. There's another university president, a white man at Stanford, who recently had to step down at Stanford for academic dishonesty because they reviewed what he did in his lab and found that he was responsible and he had to step down. In that instance, the university did not support a white man because they deemed him wrong. In the example of President Gay, the university deemed her right, but because she is a Black woman, because she is the child of immigrants, that worked against her. The last point I want to make on this round is when we're thinking about who should have been her natural public allies, we need to have a serious conversation about our role as Black immigrants who are occupying spaces that Black Americans feel are their positions. Because the silence in support that Dr. Gay received from fellow Black academics, it is, c'est comme si, I don't know, it's... Donc, vous pensez, y'a pas supporté la C? Oui, y'a pas supporté la C. Et puis, c'est un bagage pour tout Haïtien qui veut petit yo avancer dans le pays ça pour nous suivre dynamique là, clair. Parce que yon nan bon critique président Gegeyen, c'est nous pas jamais wèl nan communauté haïtien. Nous pas même konnen li haïtien, c'est lè yo nominé là nous konnen li haïtien. Mais pour nan yon position comme ça, yo séparé ou à communauté ou. Parce que c'est pour concentrer seulement pour mettre ou pral servir Harvard University. So, le moun ap di nous pas konnen ki moun liye, si nous te konnen ki moun liye, nous ta ka supporte le comme yon communauté haïtien, mais Jean Stricti Université pouvoir sa yo ye, li patap ka jam yon moun ka fè gros travail sa pour wèl nan communauté haïtien vraiment. So, m'ap just bay yon ti dernier exemple. So moi-même raison moi connais communauté haïtienne c'est parce que 12 janvier l'aime t'a fait doctorat moi t'ai Haïti moi kembe en bas goudou si m'pas kembe nan goudou hein moi t'ai ka fini thèse moi et puis m'pas t'a jamais besoin faire aucune association sérieuse avec communauté haïtienne so non yon sens là nous pour réfléchir sur 14e anniversaire goudou hein mais reste qu'a dit bon Dieu merci. Parce que si ça pas arrivé, m pa t'ap obligé kon communauté haïtien. Tout si moun nou kap joine chemin nan États-Unis, nan chemin sa yo forcé yo pousser tèt yo en face avec communauté nou. Lè n'ap réfléchi sou président Gay, sa m ta vle nou réfléchi c'est si nou vle petit nou joine moyen nan États-Unis ça, c'est pour nous apprendre yon jan pou yo remen peyi yo, pou yo servi peyi yo, chak etap ya pran nan mach sikse. Ma fini. D'accord. Merci Nathalie, na bin encore. Et en fait, Dr. Lecomte, Nathalie est connecté directement et Dr. Gay avec en fait statut comme un petit immigrant haïtien. Mais en ou et Dr. Gay par exemple qui vient dans niveau ça, nan yon a pigo université président. On parle de compétences, dit qui ça mène là. Est-ce qu'on va ban nous en gros qui ça bille qui construit qui fait le personnage ça qui te fait arriver président pour les femmes noires président en dans vos universités ça docteur Lecomte. Bon docteur Claudine Gay c'est un monde qui reçoit formation si vous êtes en Sciences Po et aux États-Unis et puis en administration d'ordre académique. Mademoiselle c'est 30e président de Harvard University. Et il faut me dire que vos recherches LIO est concentrée sur le comportement politique des Américains. Il évalue, par exemple, le comportement politique de tout le monde qui a voté. Et puis, il est toujours expliqué dans le travail, le résultat de certains votes en politique, également avec facteurs d'ordre social, avec facteurs d'ordre identitaire, avec facteurs d'ordre racial. Comment Mounsayo est voté?
Donc, c'est le premier président, disons, noir, enfin non blanc, d'abord, avant, parce que vraiment, il n'est pas blanc. Et c'est la deuxième femme qui finit présidente de Harvard. Donc, son paquet à faire. Mais il faut me dire tout que c'est après les doyennes de sciences sociales, les doyennes de la faculté des arts et des sciences. Et en décembre 2023, justement, il y a réuni trois présidents de ça, au Congrès pour une audience. Et puis, ils ont accusé, justement, comme président, ils ont même ça fait qu'ils n'ont pas réagi contre l'antisémitisme qui illustrait, si vous voulez, dans toute bagaille. Mais, Kankou et Dr. Régis Sodiala, plagiat que Yabdiala, c'est son bagaille qui découlait beaucoup plus de certaines négligences plutôt que Kokoumdado, son monde qui était une volonté pour le faire plagiat. C'est peut-être dans certains renvois, c'est dans certaines citations, par exemple, que l'Ikapab Babayo exact. Et ce sont des erreurs qui fait un peu partout. Et puis, il faut dire tout que l'université a été corrigée au tout. Mais ils sont monde qui était toujours brillant depuis les petits. Comme j'ai dit, il fait deux thèses qui sont les meilleures thèses de l'année. Et puis, il occupait au bon poste dans Harvard. Et même, par exemple, même là, il a commencé à réduire comme monde à Harvard. Même là, que il a gagné COVID-19 là, qui t'a tracassé à Harvard. Lui-même, malgré que l'université a eu un problème beaucoup, eh bien, lui-même, et côté LTE, a eu un profit de 51 millions de dollars. Donc, son monde qui travaille dur, son monde qui passe tant de postes dans Harvard, et puis pourrait que l'arrivée dans la situation que le président lui seulement fait 6 mois, par exemple, comme président. Mais moi-même, question que moi, c'est une grande injustice qui fait. Et au moment où les bagages ont fait, il y a des conséquences sur l'enseignement, il y a des conséquences sur la race pour l'autre monde qui est noir et qui a fait effort, qui est consacré aux bonnes années comme ça. Et puis pour que c'est comme ça qu'il a crasé. Parce que il n'y a pas simplement demandé pour lui démissionner. Même qu'on est moi-même, il t'a démissionné quand même. Pourquoi? Parce que depuis donateur commencé d'où il a réduit comme depuis milliardaire a commencé d'où bon moi même pas voyer comme que me voyer pour avoir là on est t'a obligé démissionner mais ça vient surprendre moi encore c'est que semble son monde qui excessivement courageuse parce que il pas quitté Harvard il pas à la présidence de Harvard mais il semblait que l'a prêté toujours alors comment ça a pas fait ça pas arrivé après. Est-ce que vraiment son monde ou bonjour, il a présenté excuse pour lui et que lui était mal révoqué? Mais cependant, bagay ça a gagné un pile découragement. Parce qu'aux États-Unis, c'est polarisation ça, c'est parce que tout le monde a poursuivi, il a tout identifié à Mamba MAGA. Vous comprenez, Kokoumdado, how to make America good again. Mm-hmm. So great again. So, son injustice liée qui basée, premièrement, elle est une femme, deuxièmement, elle est noire, et peut-être troisièmement, qui sait? Parce que c'est aussi un bon monde qui pas tellement gain bon, qui pas tellement gain bon l'air avec haïtiens et haïtiennes. Donc, alors, ça a profité, il a tout profité, tout, il a balou panzo. Mais c'est très regrettable parce que son monde qui vraiment brillant, et pour un monde qui courageux, et pour un monde qui a un bon moral, tout. Donc, okay. Now, et docteur Réjoui, en fait, performance communautaire haïtienne a reflété à travers succès, et docteur Gay. Et maintenant, contexte un peu, parce que, oui, c'est peut-être bon qui occupe plus de position, mais nous avons l'autre haïtien tout, qui occupe l'autre poste de président, et un peu haïtien qui se colle à tout, qui a servi dans le système éducatif aux États-Unis. Maintenant, un peu élaborer nous ça, mettre dans le contexte un peu. Non, absolument, il y a un pile en scolaire haïtien qui a travaillé, bon, d'ailleurs, réunis nous là. C'est ils sont échantillons mais alors nous gagnons monde tant qu'on soit parler du docteur Gay qui est extrêmement extrêmement brillant et très 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 respecté dans field dans sciences politiques ou gagnons tout l'autre haïtien qui a servi comme président université à travers les États-Unis Dean Law Medical School
Nous avons un président Medical School dans Miami University qui sont haïtiens, hein? Un Dr. Ford. Gagne d'autres encore, gagne d'autres haïtiens qui ont monté, un jeune haïtien qui a monté dans l'administration universitaire. Et que on croit, tant que je dis avant là, son mauvais message qui voyait, et que nous sommes d'accord avec Dr. Frédéric, que nous, comme communauté, nous avons besoin de faire tendre nous dans la situation ça, de façon pour nous supporter, frère, soeur, petite nous. Qui a monté que nous investissons en pile parce que dans un pôle, pas un pôle, une étude qui était sortie ici aux États-Unis, on parlait de quantité de jeunes haïtiens américains qui fait ici aux États-Unis, à peu près 55%. Gagnent un degré qui plus que high school, que comparativement avec d'autres. En immigrant qui rentre, nous avons un groupe immigrant qui montre ici, qui rentre ici aux États-Unis, qui a plus succès. Petit, nous avons plus succès. Et dans ce cas, nous sommes obligés de camper pour nous supporter, yo, parce que le message ça a découragé en pilote. Et en fait, Dr. Pierre, est-ce que ou même en tant que scolaire, et l'autre jeune haïtien qui est camarade, qui n'a même fil là, qui est scolaire, tout, qui ont senti au point quoi, et qui ont réagi vis-à-vis de en fait d'émission docteur Guerre. Moi-même avec Zaminio qui haïtien qui professeur, c'est petit toya avec des salines nouye, nous pas jamais décourager, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est me voulais ajouter yon ti bagaille sur ça professeur Régis, fait que so di, 55% haïtien a gagné un degré qui pi wo de high school. Même juste voulais montrer nous yon bagay m'te jwenn. Est-ce que nous ka wè screen moi? Nous wè, n'ap wè. OK. So lè n'ap ga so numéro sa yo montre nou combien moun noa ki enregistré nan collège. Yo ba nou dat 1990, 2010, 2021. Nou wè li descend an ti kal après 2010, mais li still pi wo de nan 1990. Là nous garder moun ki vraiment enregistré nan numéro sa yo plus ou moins c'est si moun ki petit immigrant noir c'est pas noir américain mais numéro en style petit mais so l'en a considéré politique ka privé nan collège oui li important mais c'est pour nous toujours changer majorité moun noir yo pa jamais nan collège. Yo pa ka arrive nan kolèj la ou ap reflechi nan kalite l'école publique nou genyen yo. Et puis lèm di nou nan circonstance sa, map inclui petit immigrant tout. So c'est pour nous comprendre, oui, ça crive président gen ensemble bagay ki très grave, mais c'est pas yon réflexion pep noir nan pays ici lan, ça c'est yon point. Deuxième point, lè n'ap gade numéro quantité moun noir ki nan l'école sa yo. C'est une minorité et puis dans minorité ça haïtien avec petit l'autre immigrant nous yon majorité en dans minorité ça. So yon nan bagay ki te fait très découragé nan jan moun pat supporter président Gay, c'est là yo t'a parlé sou sujet l'el te doyen science sociale. So yon doyen nan université. En réalité, c'est un police lié. Il li juste besoin faire sûr gain l'ordre dans l'école là. So là ou réfléchir avec position ça, c'est l'ordre professeur Gay t'a essayé faire, les gain en pile jeune chercheur qu'a privé dans yon carrefour pour yo joindre yon gros promotion. Gain en pile nan moun sa yo k'ap chercher promotion, yo pral joindre promotion hein, et puis en pile nan yo c'est noir. Et puis yon critique président Gete joine dans tout bouleversement qui t'a privé dans 3 mois passé 6 mois passé hein c'est oh oui président Gete pas supporter moun noyau qui t'a cherché promotion et puis dans tête moi comme yon moun qui dans système nan kounya k'ap chache promotion ça si président Gete fait ça dans Harvard université yo t'a fayel immédiatement parce que wall doyen, c'est pour kembe l'ordre.
C'est comme si département moun yo di nou pa vle bay moun sa yo promotion et puis pour président Gré di non, c'est pour nous bal promotion. Imaginez si c'est si cette si moun n'ap gade là, si moun yo ap bataille. Et puis comme maman ou papa ou vi nous di non, c'est pour jouer avec président Gré. Mon mam vire tête moi. Qui ça pense yo pral faire l'autre si moun yo? Si moun yo te di yo pa vle nan département. Y a pour Rachel. So pour moi-même, l'aime t'ap garder moun pas supporter décision te fait. L'elle te doyen science social là, ça montre tout moun sa yo nan kè yo, yo te toujours jaloux ou soit yo pas comprendre travail de yo en dedans. D'accord. Et Nathalie n'ap dit merci et n'a et remercier également docteur Lecomte et docteur Réjus. Et en fait pour nous retourner encore parce que question mérité pour le débat. Nous avons fait une table conférence qui est plus long pour nous expliquer les questions plus larges pour en plus large. Vous êtes basé dans la planification. Merci beaucoup. Braggs Home Care by Service Nursing Home Care Silipap dans 5 borough New York avec Nana So County. Professionnel Braggs yo qualifié et certifié dans l'État New York et c'est membre Union 1199. Job yo c'est by client soin, confort, respect et assister yo puis vin indépendant. Braggs 718-345-5940. Advanced Eye Care of New York gen staff avec équipement pour checker yeux nous et détecter problème vision. Doc Daniel Laroche, ophtalmologiste spécialiste dans glaucoma, fait opération cataracte tout au laser. Dans Queens 718 217 0424, Manhattan 212 663 0473. Legacy Pharmacy, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff groupe 3 et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne vous attend au 400 South Broad Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908-352-0050. Et maintenant, l'éditorial de Haïti Première Classe avec le docteur Théodore Fayette. Tous les esprits sont préoccupés par la date du 7 février en ce qui a trait au changement éventuel de leadership à la direction d'Haïti. La survie du PM, de facto connu comme l'homme de l'international, est de plus en plus en question. En effet, 6 sénateurs démocrates américains ont demandé au président Joe Biden de retirer son support à Ariel Henry, évoquant son incapacité à respecter les termes de l'accord du 21 décembre. Le facteur Guy Philippe, banalisé par certains pour avoir fait la prison aux États-Unis, est pourtant considéré par plus d'un comme le pion à déplacer qui pourrait faire la différence dans le contexte politique actuel. La conjoncture est aussi marquée par la décision du juge instructeur Aldunel dimanche d'émettre un mandat d'arrêt contre 36 officiels haïtiens suite à la publication d'un rapport de l'ULCC. De l'avis de plus d'un, le système de justice haïtien n'a ni les moyens ni l'infrastructure nécessaires pour s'attaquer à un tel problème de corruption. Entaché de vices de forme identifiés par des juristes haïtiens, la décision du juge dimanche est interprétée d'une part comme une manœuvre de diversion pour détourner l'esprit du public d'une issue jusqu'ici inconnue, d'autre part comme la démarche personnelle d'un juge en quête de popularité. On demeure tous concernés par le spectre de l'insécurité qui prévaut jusqu'ici et qui a été maintenu par les bandits armés qui ont semé la terreur de manière consistante pendant l'année 2023. Des centaines de milliers ont quitté le pays, un grand nombre d'entre eux décapitalisés. On n'en parle pas trop, mais nous avons besoin de professeurs dans nos écoles, de médecins dans nos hôpitaux, de policiers dans l'institution policière haïtienne. Les forces étrangères sont attendues pour bientôt dans le pays. Cette nouvelle préoccupe l'Haïtien qui doit choisir entre la souveraineté de son pays qu'il chérit et sa sécurité, disons mieux, sa survie. Le temps d'une conférence interhaïtienne pour dégager un consensus pour la construction d'une transition est arrivé. Nous devons réaliser que nous autres Haïtiens sommes responsables de notre destin.
Sunday morning, 8 a.m., grab my Bible, turn on the TV, watch Haiti premier class, and then I go to the church to feed my soul because I fed my mind with a Haiti premier class. Bon, le arrivé pour nous à Washington, Dr. Derivier, par exemple, Dr. Derivier, ça gagne Washington semaine. Bon, salut, Dr. Fayet. Dans l'activité qui gagne dans la semaine, par exemple, vous gagnez une réduction dans le nombre de monde qui est candidat à la présidence pour le Parti républicain. Qu'est-ce qui se dit? Donc, qu'est-ce qui dit? Il quitte. Mercredi, monsieur quitté. Mais comme on connaît, demain, si Dieu veut, lundi, c'est Iowa. Il va commencer ça avec les caucus là. Ça m'explique le résultat caucus là. Bon, le résultat caucus là, d'après tout sondage, il faut que nous disions, tout sondage pointé sous président Trump comme un cap gagné. Ok. Caucus là. Et pas oublier, caucus là, c'est moun calé dans différents endroits, dans États, tant que Iowa, il n'y a pas fait presque comme ça encore, non, mais c'est une. Moins de états qui fait comme ça, caucus là, ou aller dans le gymnasium, ou aller dans l'église, ou aller dans une série de côté public, et puis tout le monde rencontre, et puis rencontre un groupe, il dit bon, nous-mêmes, c'est moun ça n'a pas supporté. Ils votent en bloc. Et puis quand il y a l'autre groupe ça là, ils disent moun ça, c'est moun ça n'a pas supporté. Et puis officiellement, chaque groupe ça, il y a un moniteur qui relaie dans la partie centrale là, et puis il compte moun, et puis à partir de là, c'est comme ça, c'est ça, les caucus là. Mais semaine prochaine, dans New Hampshire, où il y a un vote, côté que le monde peut aller dans l'Union et après mettre vote, etc. Et bien, ça, lui-même, le plus près, il faut que nous disions Nikki Haley a 7% de leader et Donald Trump, qui toujours appelé, toujours. Tout ça qui a passé, par exemple, vraiment réduit. Nous disons 7%, combien de Trump est dans New Hampshire? Dans New Hampshire, monsieur était à 49%. Si et combien de Nikki Haley est? Nikki Haley était à 42 et quelques. Wow, il date close, ça veut dire qu'il n'a pas gagné là, non? Paris, t'as un bout et... Oui, mais t'as une différence de 7%, d'après... 7%. D'après 7%. Donc, vous pensez que Nikki Haley a pu approcher le monsieur? Bon, au fur et à mesure, c'est ça qui fait que... Il y a tout espoir, Nikki a mis sur New Hampshire, même si Iowa t'a perdu. Gagné et par exemple, et dans la côte maintenant pour avoir une unité à Kizou. Bon, il faut que je dise, c'est une, on doit dire, plus gros manque de présentation correcte, là qu'on va essayer de faire un point. La raison que je dis ça, il y a un pile pandit dans différents, on va dire CNN, NBC, tout côté ça, qui dit que, premièrement, au lieu de faire une présentation correcte, ça dit, on dit que tout ça, ancien président fait, le que le président, immunité totale capitale. Ce n'est pas une présentation correcte, ça vous explique. Bon, en effet, si Wab dit, si le président, tout ça me fait, supposé, il y a une immunité pour lui. Assumption, c'est que tout ça va faire lui en dedans la loi. C'est là que la présentation, en fait, quand il y a les juges, les trois juges, deux là d'un été apporté par démocrate, d'un été apporté par républicain, mais tous les trois semblent poser le même type de question. Ça veut dire si, en tant que président, ou engagé dans la criminalité, ou pas obéi à la loi, est-ce que ou avez immunité? Quand l'avocat a dit bon, oui, il faut que tu aies une sorte de. Impeachment avant, et puis pour le Sénat voter, pour conviction, etc. Mais monsieur a mélangé pommes, vous comprenez, deux bails différents. Donc c'est vous-même qui avez dit, par contre, qui a dit, non, pour, non, non, personnellement, si vraiment, légalement, pays a quoi que, pas grand monde qui au-dessus de la loi, il a voté contre monsieur. Et avant que nous finissions, très important dans la semaine, dans tout, songez grand commission, dans la chambre députée, qui t'a pral voté, ils ont voté, oui, il y a deux commissions, en effet, qui votaient pour mettre Hunter Biden en, on doit dire, contempt. Ça veut dire qu'il y a voué car by département de la justice, le fait que monsieur pas répondre à soupina que vous l'avez, mandat de comparution. Et voilà que, pendant la commission rencontrée, monsieur paraît. Dans la commission, quand il y a là, on voit un débat, comment ça va monter, démocrate, républicain, il y a un débat, voilà, mais monsieur là,
pendant tout là nous tout on va nous poser la question monsieur là en public parce que monsieur dit là livre les témoins en public il va pas témoigner à huis clos. Oui, il est pas pendant commission en public, pas oublier. Pour monde qui pas connaît aux États-Unis depuis qu'on commission de députés, sénateurs etc., en tant que un membre public là, voteur ou pas, ou gain droit pour paraître dans commission. Oui, monsieur vient avec tout avocat là. Non, il va veler. Yo dit monsieur quelque chose circonstance là, c'est pas au cap fait loi ici, c'est nous-mêmes qui fait loi. Nous bon, on parle de comparution pour paraître des portes, on pas qu'à venir paraître dit c'est en public ou veut faire genre de discussion. Ça c'est ça c'est qui mal à finir. Yo voté commission in contempt. Anyway. On dit là on a tout semaine prochaine donc là pour l'autre. Mais on a parlé plus sur ça. Chaque dimanche matin à 8h, nous regardons IT Premier Class. Nous venons pour vous saluer tout le monde qui branche IT Premier Class. On a pu saluer dans Connecticut Semé, Dr. Berthier, Prisca Titus, Angélie Chimaniga. Dans le restaurant, on a salué Florence Linda, Viviane. Dans le Wakla, nous avons Donald Paul et Lynn Piersin. Dans East Orange, nous avons Mme Dumel qui branche. On a salué Pasteur Corbier. Dans le Brooklyn, nous avons Jean-Similien Antoine Coq qui va écouter le ring. Et on a Cupidon avec équipe Combi de Faroué avec Béliard qui va fleur pour toute occasion. Dans le Galan, nous avons Jean-Claude Cajus qui branche. On a salué Pilote Malvoisin, Rose Messen, Laporte, Whistler, Jacques. Dans Manhattan, nous avons Silot Bernard, Albert Depa, Eric Giraud. Dans Ouzel, nous avons salué Constantin Yves Aubou. Et dans Pipolo, nous avons Daniel Lazubé avec Emmanuel François. Dans Linden, nous avons Suret Abraham. Dans Spring Valley, nous avons Fred Ovid qui branché. Dans Trenton, nous avons Willy Lavarin. Dans Montréal, nous avons Venia Fayette, Valérie Dantica. Nous avons Marc Rosemont avec Ricardo Joseph qui est dans Hong Kong. Facilité dans cette New York, nous avons dit monsieur, qu'un BFM. Et n'a pas dit c'est hier que l'enterrement en fait Pierre Villers, un chanteur qui est bien connu dans la communauté a tombé et donc nous profitons de ce qu'on pour nous capable de dire c'est dans l'église passionnée que le chanter condoléances à toute famille amis qui est affecté par deuil ça que en fait Nam Pierre Villers est capable de reposer en paix. N'a dit tout que célébration vie Annel Michel Duchesne. Et en fait, Cap est célébré et semaine prochaine, le 19, et c'est dans Crowiki Funeral Home, et en fait, qui est dans 21-24 East Saint-Georges, dans l'Inden. Et on avait dit que la fête le 19, exposition, et puis dans le thème de chanter l'église Saint-Joseph, qui est dans Roselle. On avait profité pour nous voir condoléances by toute famille, frères, avec Dr. Duchesne, qui sont en fait un collaborateur dans le programme. Et on a dit. Et que nom Madame Michel Duchesne capable de reposer en paix. N'a pas salué en fait Jean-Claude et Cajus qui fait des fêtes cette semaine. N'a pas gain docteur Edvard Wiljamin, un collaborateur qui fait des fêtes li tout. N'a pas dit que gain Darlene Mini Catherine qui fait connaître que mercredi 14 février cabina et maintenant Leonard Palace la paix fait un gros coquin fête Saint-Valentin. Et Leonard Palace soit c'est dans 555 Norton et boulevard dans Great Neck New York. Donc a pe gen pile surprise dans fête ça mais a pe gen poète Kerta George gen DJ Dominique de Best Cap évolue. Vous capable regarder dans 516 675 28 89 pour information. Téléphone encore 516 675 28 89. Est-ce que vous êtes fatigué pour chita mande monde pour yon menon kay docteur? Yon perdu jou travail yon pou yon ka occupé ou? Pas gen raison pour continuer absent tout c'est un embarrassement pour famille ou? Parce que docteur Kevin Well la caillou. Rough and House Call a fin ba ou bon jan soin la caillou. Que ce soit ses visites routines, les ou malades, renouveler médicaments, tests sanguins, radiographie, sonogramme, tout ça yo capable fait la caillou. 855-800-3444. 855-800-3444. Clinique Dr. Daniel de Rivière offre service consultation pour yeux, prescription lunettes avec prévention toute maladie qui affecte vision non. Dr. Daniel de Rivière, 32 North Day Street, Orange, New Jersey. Téléphone 973-676-9113. Comme une fleur groupe tablier en Brooklyn, pour vous effleurer tout côté pour toute occasion. Tant que mariage, anniversaire, baptême, communion et funérailles. Adresse là? C'est 1452. Flatbush Avenue, entre Farragut et Glenwood. Téléphone 718-576-6068. Views and opinions of the guests of IT Premier Class don't represent the views of IT Premier Class,
nor the views of NYC Life. Nous avons un journal sous table matin, nous gagnons un seul Salomon qui rejoint nous sous table avec Dr. Joam Rijoui, Jean-Bélia Lucien et Gonal Monchon. La parole font coup d'abord sous élection américaine, hein, qu'après approcher le, en fait, le maire là, Dr. Rijoui qui va la son fait, et de fil là, le républicain so far, en termes de qui est-ce qui a mené, qui est-ce qui a tombé, et qui est-ce vous pensez que possibilité pour être comme et n'est qu'à présenter le Parti républicain. Qu'est-ce que c'est tombé? qu'est-ce que si j'étais là? Ça veut dire que j'étais à peu près quatre mondes. Et président Trump cap va le terrain. Alors, reste yo même, ça dépend de ce qui passe avec président Trump. Mais si tout le bagarre était j'en là, c'est président Trump qui a représenté le Parti républicain dans l'élection contre Joe Biden. OK. Non, définitivement, et Gonal et Gain Sevenan, président d'Algérie, il était là dans le bout de côte là, et na, à l'appel, et j'aime moi qui suis opposé là, pour pas résultat, mais cependant, semble-t-il que l'immunité est très difficile de prolonger le bas, monsieur, là, j'aime moi là. Ça, ouais. Bon, parce que, premièrement, avocat, sur le fond, Gabji, côté que, il a trouvé que, pour te calmer le président devant la justice, pour que, il t'a validé mon congrès d'abord pour trouver guilty d'un bois d'elle. C'est-à-dire que je pense que tout nèg qui expert dans la criminalité loi et constitution loi, nèg yo dit que avocat champion mérite tout nos corner côté que il est presque impossible que je ça que yo mandé a. Mais même on était quoi on était quoi Jonathan Tully qui toujours parler de Trump qui doit défendre groupe nèg ça yo le plus souvent. Ouais que monsieur dit même bagarre là. Bon, l'important c'est que Trump, aujourd'hui là, comme dans le premier Trump, il dit que même si tire au monde dans FIFA Avenue, la nomination de la vie de président, il a voté pour lui. Et ouais que de jour en jour, aujourd'hui à Trump, même genre, dans mercredi soir, il y a un débat qui fait à 5 jours derrière le caucus là, il y a un débat qui fait, ouais que c'est deux mondes qui ont participé là-dedans, ouais que c'est Nikki Haley avec DeSantis qui a participé la donne. Parce que, en dedans pour participer dans le débat, ça, il y a tellement de 10% dans Polio. C'est deux mondes seulement qui gagnent avec Trump. Et Trump n'a pas de gagner pour lui. Même il y a 6 débats qui fait déjà, Trump n'a pas participé dans le et pas de participer dans le tout. C'est presque impossible pour Trump n'a pas de nomination partie. Ok. Now, Belia, en fait, on quitte après gagner une nomination, mais. Nous connaissons qu'éventuellement, et demande immunité à s'il perd dans le niveau ça, dans le niveau côté ça, et il pourrait aller dans le Supreme Court. Est-ce que vous pensez que le Supreme Court n'a pas aucune raison, d'après l'argument présenté là, pour lui justifier by Trump immunité? Bon, question immunité, hein? Même gain legal scholar qui déjà prononcé sous lui, et nous reste mital mandé la Cour suprême pour te balle par position. Yo. Et la Cour suprême, pourquoi prendre un cas agenda supposé? Prenez et nous, Smith rebondit, il dit bon, et le président va gagner l'immunité. Mais avant d'aller plus loin dans ça, Raphaël, nous avons fait un raccourci rapidement en rétrospect sur Chris Christie. On est qui, pour moi-même, fascinant en termes de politique américaine, qui paraît comme gouverneur extrêmement grossier. Je pense que c'est arrogant son plan. Et prend Christie et l'héritier de Christie. Christie est mon cap traité, journaliste, et mon cap pose des questions de idiot. Ouais. Mais nous, monsieur, depuis après, Bridget là, monsieur, vient calme en pile. Et le monde qui tourne là, c'est un monde qui pratiquement face à la crise, société, ça a fait pas ça. Nous, monsieur, campé contre, ça me dégage le totalitarisme républicain. Quand il a moins de cartes à nous faire par rapport à trop, eh bien, c'est la mort politique. Et monsieur a accepté pour la mort politique là, il campe en face de machine infernale ça, il dit la vérité. Et même jeudi, avant que monsieur a sorti là, monsieur fait une preuve de grandeur d'âme. Le campé, il dit, Mounio, choqué nomination depuis le, nous tous te campé là. Je me dis, est-ce que nous avons voté pour un président qui est inculpé? Nous n'avons pas de courage pour nous dire que. Nous ne pouvons pas voter pour lui. Moi-même, si Trump n'a pas parlé de Christie, pas représentant le monde qui est à la présidentielle, qui a tourné président, eh bien, nous-mêmes, tout,
si nous avons un courage pour nous dire, nous pas fit pour le président. Moi, c'est qu'on le son oral quand même pour mon campé là, parce que c'est, d'accord, ils sont à l'acquérir politique, mais j'ai des faits, et ils font suicide en public, et les propositions ça par rapport à Trump. Là. Et elle dit ça, que après qu'elle vienne supporter Trump, il va bien faire ça encore, et pour nous savoir, est-ce que le monde qui t'a pensé, il va profiter, en parlant de Neil et Nikki Haley, en particulier, de départ de Christian, est-ce que vous n'avez Christian va faire un cadeau endorsement maintenant, livré que vous méritez. Non, et en fait, M. Salomon, vous connaissez que vous n'êtes pas expert dans la loi américaine, mais cependant, un président et, en fait, qui n'a pas signé pour un pays, dans des autres qui étaient gagnés le 6 janvier, et M. Desodatissant, c'est en fait en faveur. M. connaît avocat, M. Abo ici, a demandé pour y retirer monsieur pour pas juger monsieur pour Zaksa. Est-ce que ça fait sens dans, en termes légal en général? Bon, en fait, nous pas un expert en droit américain, mais gagné un bagage que gagné une incohérence que moi ouais là. Moi si me comprends bien information fait qu'on est que gagné deux états qui t'avaient exclu non monsieur dans caucus. Et avocat monsieur, en temps d'exercer un recours, et quoi, alors, un tribunal qui prononçait sous ça, et avocat en temps de faire recours avec décision tribunal. Donc, si on fait recours, c'est parce que vous voulez faire comprendre que le pape fait le vrai. Et quand il y a là, il vient paraître drôle pour y demander immunité alors que vous dites que le pape fait le. Donc, l'homme de l'unité police, c'est qu'il s'accepte ou accepte le fait, mais il doit faire. Donc, ça veut dire pour moi. Sur Nixon, Nixon de essayer de venir à la question, ça veut dire si le président fait l'illégal, il va illégal. C'est souvent que ça. Non, mais. C'est précédent ça, tu as fait venir avec lui. Le président does it, it's legal. Non, mais ça, mais tu avais essayé de faire, là, c'est que si tu as dit, oui, vas-y, Dieu, on va y mettre le coup, mettre là, ça. Donc ça veut dire il admet que le pas de droit faire et que le non seulement il admet que le faire et il admet que il tombé sous le cours de l'article de la constitution qui condamnait ça. Qui dit pas de droit faire. Je suis sûr de ça. Je crois que moi m'a dit je t'ai pas sur ça dernièrement quand que et nous te trouver qu'il pas normal pour ne pas prendre une décision contre monsieur avant qu'on juge le. Et c'est ça lié, par exemple, regardez l'article 3 qui demande pour que vous fassiez un échec contre le pays après les déos. Il n'est pas clair, il n'est pas défini, bien premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas de trouver Trump guilty avec rien. Pour qu'il soit exclu pendant que vous ne trouvez pas guilty dans rien. Pas de trouver M. guilty. Les différents, oui, non, tant. Décision qui a fait quoi, là, Igonal, c'est immunité. C'est pourquoi. Pour retirer monsieur, ça va parler de deux cas de détail et en fait qui décidait de retirer monsieur d'après loi d'après et whatever ça dire. Mais cependant, n'a pas parlé de immunité et docteur Régis. Ça veut dire que et avocat Fonnion cela côté que est-ce qu'on homme sous président qui a fait n'importe bagaille et puis il a quitté passer par son président docteur Régis. Non, absolument parce que ça qui passé là, c'est que gouvernement a besoin de juger président Trump pour peut-être ça passer 6 janvier. Voilà que participation dans l'acte 6 janvier. Ça, monsieur, il veut faire comprendre que le fait que le président il gagne immunité, que il n'a pas qu'à Albert Ely, pour ça, il a dit que c'est un crime pendant qu'il était président. Et bon bah très intéressant qui passait pendant que y a tant de cas, il y a un juge qui n'a pas là mandé avocat monsieur. Est-ce que si, d'après ça on dit là, est-ce que si président lui-même lui tué un monde qui a couru contre lui, est-ce que lui gain droit ça? Ça a permis en bas théorie que et c'est là qui bail tout un indice qui côté tribunal la penché. Mais alors ça pas fait tellement gros différence hein?
Parce que ça passe, c'est que si a jugé président Trump, président Trump a bien tant fin gagné tout primaire yo, et si ou du moins spiff au primaire yo, et ça crée une plus grosse crise institutionnelle que si on était jugé le connia. OK, na exemple de crise là, et on va parler de crise, mais avocat monsieur a joué avec pour faire passer le temps pour si monsieur a gagné tant plus près, river non point côté que jugement vient impossible, c'est ça. Absolument, c'est exactement ça. Fait c'est temps et il a fait temps passer. OK, là ça est-ce que on a d'abord Nicky qui a intégré lui même pour Kembe pour la vice-président monsieur auquel cas si monsieur Bernard Moulin la continue avec ça. C'est ça? Bon, comme on a dit grand pile mon cap courir là. C'est pour vice-président courir qui est Nicky Eli qui est le allons nous about the census. I'm back pour the census but Nicky Eli semble qu'il cap courir pour vice-président. Mais je pense que Chop pas venir avec Yonan Mounza. En fait, Chop même pensait même pour venir avec on était quoi Tucker Carlson comme vice-président. Pour montrer ha far right, Chop voulait aller. Les mises à part le groupe, on l'a dit, mais il parlait on était quoi Tucker Carlson. Et on dit que, et ouais, même question docteur Juste dit là, les juges ont posé question ça, et là, quand on a dit Chop, il y a une mauvaise réponse là. Yo dit que faut la devant congrès faut qu'on gagne trouver guilty d'abord then qu'on y a là yo ka juger on dit que on pense son bac qui intéressant et tout élève tout qui élève qui na faculté de droit bon ici a obligé à suivre ça qu'a fait là là mais même si tu peut trouver Trump guilty pas grand dit que tu pas ca président mais que si tu pas clair sur ça tout pour dire que souvin guilty est-ce que pas ca président mais ça que dans Trump Trump là ca pardonner tête lui seulement au niveau Georgia qui n'a pas de parler de tête. Parce que si on pas clair, pas de preuve ouais. Que on est encore Trump. Non. On ne peut pas pardonner de tête, en principe. OK? En principe. Mais cependant, oui, le tribunal a obligé de décider est-ce que le président Trump n'a pas pardonné de tête. Mais alors, son bagage qui est déjà établi, pas j'aime bien mon qui essaye, bon, nous va qu'on est. Mais alors, pour. Mais. Idée que on monde pour le pardonner tête il est pratiquement absurde et là que kounya là et si président Trump ta ka fond bagarre comme ça OK il pratiquement aller dans même ligne Bélé a toujours aller là côté il dit que le système là va éclater parce que mais que gagne nos paroles puisque il est appelé talking about Trump here talking about Trump come on talking about Trump here. Oui. Non, j'ai oui dans l'absurdité, docteur Rémi. Nous comprenons aujourd'hui, aspect absurde ou faire appel là. Il est tout à fait logique. Non, j'ai dans l'absurdité. Et nous, en pleine crise constitutionnelle, nous toujours dit ça là. Le fait que nous, on fasse une situation, quand la constitution lui-même nous pensait que c'était déjà qu'à supposer et résoudre, pas une solution pour lui. Par conséquent, c'est la constitution qui va l'obliger, qu'on est là, et intervenu. Pour ben on répond à la situation ça parce que si mais il y a beaucoup de gens qui font face à elle et on va anticiper peut-être que ça va arriver là voilà. Et c'est là le signe de déclin le docteur Jules ou capable de le pour ça mais moi même c'est l'étude pas de toute façon monsieur j'ai l'impression qu'on a pris pile temps pour ce sujet ça mais là le fond pour Haïti côté que qu'on juge là le dimanche pourquoi qui veut un mandat et qu'on en a pas voulu que mettre un seul à c'est ça pour nous bah 36 anciens officiels haïtiens et après que Ariel Henry était pour aller devant juge tout, soit appelé mon président tout, qui ont ouais, dans qui route ça mène nous là, maintenant seul, pratiquement route à faire, y ont juge en Haïti avec système que nous connaissons, qui vaut 36 mandats d'arrêt, bah, un paquet officiel, qui ont lu ça. Bon, en fait, nous essayons de faire un petit rappel sur faire, c'est on enquête. Il organise l'État, qui est le ULCC, Unité de lutte contre la corruption, réalisé, et là, Denis, il fait des recommandations, il voyait, il baille, paquet. Procédure exigée, pour paquet recevoir, pour acheminer le cabinet d'instruction, et doyen, il l'a choisi un juge pour le confier dossier. Il arrive que ce juge, dimanche, que doyen confie dossier ça. Et l'on juge a fait enquête son dossier,
li gon devoir et gon pouvoir tout pour convoquer tout le monde li vle qui nan dossier et même s'il pas nan dossier. Il a cherché information et tout ça qui ka fait prend une décision nan nan et conscience li ka fait li gen droit ça. Il a convoqué mon attitude de témoin. Il a convoqué mon attitude de renseignement. Il a émettre mandat de comparution pour faire mon vin de pour le temps de yo. Il a émettre mandat d'amener et jusqu'à mandat d'arrêt et mandat de dépôt. Maintenant, ça qui passe là, pour moi, je ne sais pas comme si ça qu'on fait déjà, mais 36 mandats d'amener d'un coup, et ça, c'est ça qui fait le faire bruit tout. Il paraît un peu drôle pour moi. 36 mandats de coup, alors que j'ai beaucoup entendu youn nan yo. Et moi, quoi que l'étendé, il y a un ancien sénateur, c'est de la Clos, qui était présenté devant lui, et qui déclare publiquement que lui-même, il n'est pas contre dossier ça, ni de loin, ni de près. Il faut que j'aime connaître que le un rapport avec un responsable CNE, ni j'aime adresser pour. Pour demander pour prêter le matériel pour faire travail dans le département. Et nous constatons que le juge attendait monsieur, mais non monsieur pas parmi monde, il t'a fait mandat contre lui. Donc là, vin faire comprendre, est-ce que ce n'est pas orgueil magistrat qui a manifesté? Parce que ça qui arrive, nous tous, c'est humain. Camper carrément pour dire un juge ou pas venir devant, il voyait l'eau pour dire ou pas venir devant, comment son outrage? Quelle la sorte en déa, c'est Haïti nous, c'est vrai, mais un juge est un juge. Li convoqué, ça parle de la parito. Ou qu'on a que le droit ça. Ou pas d'intérêt, non seulement on va venir, dans le pays, radio, ou a dit un paquet de bagages pour dire que, comme si pour dire que le pas bien droit convoqué, ça c'est pas normal. Donc ça a fouetté l'orgueil juge quand même, et n'importe qui était qu'à notre juge, il était qu'à faire ça tout, choisir et mettre mandat d'amener. Parce que mandat d'amener lui-même, depuis le mettre, au cas fait recours contre lui, au cas fait recours en habeas corpus, pour préserver la liberté de manière préventive. Donc là, ça, pour la grande décision qui sortit, par juge doyen, qui pourrait dire que le mandat éliminé à ce moment-là, il pourrait communiquer ordonnance à tout bureau de police pour mandat pas exécuté encore. OK. Maintenant, Belia, les non considérés système pays d'Haïti, Jean-Louis là, et avec tout le monde qui passe chef ça, tout le monde ça, alors maintenant, faire référence à Gap Jou et la radio par la pile, est-ce qu'il y a un juge qui a un point pour réellement arrêter mode chef ça ou avec un bon système judiciaire, ça veut dire? Bon, je connais un juge qui a fait en Haïti. Et m'a parié sur le juge Morin dans la mesure où monsieur ça va pas être devant. Et l'IOTA gagne pour contrôler hein, parce que c'est ordonnateur de denier public. Vous voyez, le gagne l'argent, peuple à l'envers, l'IOTA géré. Si l'IOTA gagne et fait autre chose avec, Morin qui a jugé. Quel que soit le monde. Ça m'a mal crédit, ça. Ouais. Okay. Et okay. Cependant. Non, là, qui, monsieur, pour le cacher, côté là, qui pour aller la belle pour la question, ça là. Non seulement ça, monsieur, pour responsabilité, il faut faire attention à sous ville pour ça, et faire. Et ça, il y a une bagarre, moi, si j'ai frustré, soit attention à de faire sous ville, mettre mon réo, tirer sous machine. Et ma senti société a te répondre assez par rapport à la responsabilité. Parce que nous, toujours, abdi la justice corrompue. La justice pas bon, et puis les gens qui prennent responsabilité, et puis nous avons un support nécessaire de la société civile. Et je pense que et juge Morin, c'est une champion, pas juste ça lui-même, non, mais il pouvait être jusqu'à présent. Est-ce que juste ça, il y en a pas qui choqué, c'est le fait que moi, on m'en a coupé l'expérience, prêt à oui, et la patate juge là. Je me dis, est-ce que le patron bonheur, pour qui ça, monsieur, lui-même, ou attaquer le juge là, alors que loi pour un point état de droit. Est-ce que le juge a révélé son juge corrompu lié? C'est question à poser. Mais cependant, en Haïti, conseil de ayant droit, conseil de nègre, responsabilité, job, ouais, privilège, c'est voler l'État,
c'est craser qu'est-ce l'État et c'est camper en face de la justice et faire la justice grimace. Mm-hmm. Le fait que je dis à quelqu'un qui osait poser aux questions et nous, on va regarder c'est un sénateur qui, je vais madame, vexé, la manque de système de dégâts parce que je vais me coller criminel. Eh bien, je pense que nous entrons dans l'autre phase. Est-ce que la société a lui-même? Parce que si le gouvernement, moi je dis si, c'est instrumentalisé, t'as instrumentalisé et gens d'enquête ça, eh bien, vous connaissez la réalité de la hausse à hausse et à et le gouvernement. Pendant que vous avez des flots à poser, et vous êtes tout à venir tomber sous vous. Parce que, je dis à même gens où est enquête ILCC, je te vois à mourir, le tiroir là pour supprimer des comptes là, et que la clameur publique campait, je te force pour supprimer des comptes, fait travail là, et bien ça qui arrive toi avec dossier ça. Parce que je ne sais pas son dossier, que je ne sais pas si le juge dimanche dit, pour te faire tout ça le faire avec là, ouais, mais dans la mesure où c'est dans la démagogie que tu as fait, ben, ça a net dépassé. Et encore une fois, on profite de forum ça pour m'indexer la poursuivre des comptes et des potentiels administratifs qui n'ont pas fait travail du tout. Parce que moun sa yo, après tout le temps, ça a fini passer à gérer bien public. Et puis c'est jour où il y a eu découvrir ma gouille, côté la poursuivre des comptes, parce que c'est job yo pour ma enquêtise administrative. Suggestion. Et Gonal, et en fait, Belia dit que il n'y a pas qu'à comprendre que Pierre Espérance prend position ça. Et monsieur, quand pile l'autre monde, et en d'un pays, que nous t'accroyons qu'à défendre droit, qui a pris même position parce que tout gain intérêt dans l'ancien chef Sao qui va être privilégié en d'un pays. Encore toujours, est-ce que la justice haïtienne vient prendre aide pour l'adresser question ça, Gonal? Bon, je pense que les gens n'ont pas qu'à adresser les gens qui ont supposé faire. Mais il faut que nous commençons à côté. Et je pense que il y a plus de problème qui pose dans ça. C'est parce que Haïti est un pays type de monde, ça y pas jamais en prison. Type de monde, ça y pas jamais qui est proposé devant le juge. Et tout groupe, on dirait son groupe monde, pour juste mourir, il y a pas jamais un ticket dans la vie. Maintenant, là que vous osez ou mener devant la justice, tout on a pris l'amour. Et je pense qu'il y a pris l'amour quand même. Mais déjà, ça qui a fait tout, il y a assez l'argent dans main yo pour font groupe moun dans la rien après l'amour pour yo c'est persécution politique et c'est là tout moun toujours aller depuis que y a retourné yo pose la question de n'être dans politique comme l'état dans main c'est persécution politique mais je dis ça devez vous comprendre gon groupe moun en Haïti qui ta aimé gon Haïti meilleur il n'a pas en pile mais gon groupe moun qui ta aimé ça et m'pense que Jean Bagayo te kon fait autrefois journée jodi an qu'est-ce qu'il y a qui fait l'élection qu'est-ce pas qu'il fait l'élection m'pense pays a pas le changement journée jodi an parce que l'organe de corruption mal en Haïti gon bagay qui obligé fait li pas arrêter dans état qu'il y a et mais c'est yon nan raison que on ULCC qui fait travail mon gon juge tout qui dit faut l'élection présenter devant. Nous souhaitons que le juge là, ce n'est pas politique la fait, ce n'est pas jouer la voie, ce n'est pas zanmi nan yo liye, et puis la fait semblant, vina yon pour ka blanchi nan yo. Mais, nous pensons, ça sont l'autre jour qui commence à ouvrir en Haïti, côté que des hommes dans, qui gen comme nan yo, ne qui nan gen politique, gon jusqu'à prélu pour ka vide pour question. Ok, nan, docteur Ijou, est-ce que le patron vous ne pour commencer pas de bravo, non système qui est extrêmement pourri, qui est très faible, sans la police la donne, et pour nous penser quoi que, et côté nous aller là, c'est changement qu'a fait en pays d'Haïti, docteur Ijou. Bon, en termes de juge, la grand pile bagay qui vous dit sur façon que juge là approcher dossier. Et moi-même n'a dit ça là tout temps que nous voulons pour yo kembe moun yo responsable pour yo relé, yo faire paraître vinn répondre pour charge pour administration que yo te gain d'ailleurs. Mais cependant question posée tête c'est que pour qui ça juge là obligé bail un mandat d'amener pendant que il était capable seulement voir un mandat de comparution et il fait ça avec un pile fracas et il fait ça sans que alors que le connaît il pas gain moyen pour la prendre moun ça pour le traîner mener devant et c'est ça qui pratiquement pour moi inquiétant
et me voulais pencher bon côté ça Ronald sort dit là tout à l'heure. Est-ce que c'est démagogie juge l'a fait? Parce que juge l'a connaît très bien que il pas gain moyen pour ça l'a dit. Un, deux, et il fait là avec un pile fracas côté que vraie question posée c'est est-ce que lui suivre procédure qui t'a supposé suivre là? Parce que c'est une question que moun y accusé a posé. Est-ce que c'est procédure là ça? Et en pile nan yo dit c'est pas procédure là ça. Mais cependant, on pensait nan intérêt pays a en pile nan moun sa yo qui t'a servi pays a nan haut niveau, nan intérêt pays a pour ta collaborer avec la justice pour wè nan ki mesure que t'es ka rectifier situation en surtout les clamer que di yo innocent. OK. D'abord, dossier arrivé dans paquet voué dans cabinet d'instruction, doyen distribué dossier à un juge, juge a voué convocation pour yo convocation moun yo pas répondre à convocation yo. Ouais. Tout à l'heure et docteur Rivus dit que il était qu'à voyer mandat de comparution. Oui, c'est vrai. Mais il pas obligé tout parce que ça va dépendre de ça le gain dans mail comme élément, il ca passer directement par mandat d'amener. OK. Monsieur Angembe là parce que temps passé sur nous là et dans toute espèce. Non, on va dire sur qui Philippe. Non, on a traité monsieur l'autre semaine. Quittez monsieur Domi. Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette, offre un pile service tel que rachet dents, cleaning, plombé dents, route canal. 456 Schenectady Avenue, dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Miguel Ressouen Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Ressouen offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Rosberry, 516-338-4933. P&B Pharmacy, établi dans Brooklyn, New York depuis 2016, et l'a servi communauté comme ça doit. Y a un staff courtois, professionnel, qui parle créole et qui remet aux prescriptions médicaments, cool paré. P&B Pharmacy, 1115 Nostrand Avenue, Brooklyn, New York, téléphone 718-649-1111. Bon, matin, on a pu retourner avec Maître Marc Jean-Louis, et je dis à celui c'est Guy Philippe, monsieur. Arrêté en Haïti après le sénateur, monsieur fait tant dans prison, monsieur Lagué. Et maintenant, pour qui ça, pour c'est ça exactement, monsieur fait tant, monsieur, vous avez un américain, pas de cas, monsieur. Et, docteur Fayette, bonjour. Et, permettez-moi un salut de toi, mon segment ça là, qui c'est gros fanatique Shoah, ou bien, monsieur, dans Long Island, pas vivre s'il pas gardé. S'il pas voir Haïti pour ma classe dimanche matin, pas bon. Monsieur, il est Bertrand Pierre, monsieur habite dans Farming Deal. Gon l'autre dame ni même c'est madame Duvert, l'habite Long Island tout. Si moun sa yo pa wè Haïti première classe le dimanche matin yo pa bon. Donc et segment ça c'est pour yo. M'ap saluer pasteur Thomas Leslie Thomas tout parce que quelque temps pa wè nan show, m'pa konn sa k passé. Et puis avec tout l'autre collègue nou ki nan ki konn vin supporter show, m'souhaite yo a kembe la avec Haïti première classe parce que service y a prendre communauté a son service qui impayable. Now, question c'est pour qui raison que fait gouvernement américain voyer Guy Philippe Lacadi? Exactement. Guy Philippe, non, parce que non, en général, grand pile monde qui te gen question sous en fait nature, monsieur, est-ce que monsieur en mission pour qui ça monsieur là? Parce que on met un mystère dans Guy Philippe Lacadi là. OK. Now, qu'on y a me prend sans question, m'a pas détailler pour auditeurs avec auditrices, téléspectateurs avec téléspectatrices. Pas un mystère là-dedans. Monsieur Guy Philippe, il a arrêté là en Haïti. Il a mené le vienne juger aux États-Unis. Il est condamné. Il n'est pas condamné. Il plaide coupable. Et puis, après le plaide coupable, il a un document qui est signé. Depuis qu'il a signé, il a eu sa plea bargain. Pas oublier que monsieur Guy Philippe, ce n'est pas de un jury d'aller. Et puis, le jury a dit OK, mes preuves que le gouvernement a gagné contre vous. Et puis, le jury a décidé que le coupable, il est coupable, il est coupable. C'est monsieur Guy Philippe. En vertu de preuve que li wè que gouvernement gen amène, li décide plaider coupable. Attention. Et
grand pile monde qui dit que c'est ton coup monté le tayé tout parce que Guy Philippe pas de bon service. C'est pas vrai. Guy Philippe était représenté par un meilleur avocat criminal defense lawyer dans Sud Floride là qui relé Alan Ross. Si ou t'a cap classifier Alan Ross qui est lié ou t'a dit ça ouais et Kobe Bryant tayé ou sinon LeBron James en bas dans basketball là et ben ou t'a dit Alan Ross dans Sud Floride là c'est dans niveau ça lié. Il est dans même niveau avec un avocat et que les Roy Black. Mm-hmm. Roy Black c'est qui te représenté Kennedy ou était mêlé dans bagaille crêpe là, on songe que ça West Palm Beach. Les ça était représenté par Roy Black. Gon l'autre petit tonton lui-même qui aurait les Frank Robino qui te représenté Manuel Noriega et qui au dernier moment était venu représenter et Michel François. Franck vient antigen âgé qu'on y a là bien quoi Franck, si Franck pas mourir pas fin sûr mais Franck très 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 âgé et puis ou vient Alan Ross donc l'on prend équipe ça là et n'a font petit tripotage non bagaille il pas de bon marché absolument non il pas de bon marché me cadeau ça me pas bail chiffre en dessous les ondes mais il pas de bon marché donc ça veut dire que monsieur Philippe t'es représenté par l'un des meilleurs avocats de la chute. Allez, monsieur de gain comme alors monsieur déjà j'ai comme pas connait mais cependant service Alan Ross il pas de bon marché pour y te kembel dans cela. Monsieur Alan Ross garde évidence yo, il garde preuve yo, il dit ah mon cher, soit devant jury avec tout ça moi là, bah la pas bobo, ka fois pou la main. Minimum on garder c'est minimum 20 à 25 ans. Donc monsieur Pompli. Il ba monsieur devant. Mais gouvernement lui-même dans bon comportement monsieur Philippe te gande dans prison, gouvernement dit OK, m'pas besoin que bon là pour 9 ans ou fait 6 ans, m'la go. Okay. Donc là que yo la gè monsieur Philippe là, côté il était dans prison Georgia, il était sous compte bureau et prison dans prison fédérale, il était sous compte bureau de la prison fédérale. Yo fin la gè li, yo fin dit ah mon cher, ou t'es là avec nous Georgia, c'est en vertu de décision ça, juge fédéral Miami en te prend qui veut yo vinn passer ti séjour avec nous. Nous pas dro ici a ça n'était qu'à faire pour nous baoul déjà. Donc nous pas gagne moyen pour nous continuer bon lunch. Nous pas moyen pour nous continuer bon breakfast, nous pas continuer pour nous continuer bon dîner. Monsieur Aïsio qui c'est immigration and customs enforcement a vinn chercher parce que c'est eux qui ont moyen dans meilleur connia là pour continuer bon soin. Nous même mission pas nous fini. Donc à partir du moment il traverser il vinn tomber dans mi temps, monsieur Aïsio, il y a deux bagages qui t'est passé. Monsieur Guy Philippe t'a demandé asile politique pas ici. Mais cependant depuis l'est que pli bargain a t'a signé hein. Monsieur Philippe te dit que l'elfine servit dans la prison, voyez dans le pays. Donc, Aïs vient prendre monsieur. Monsieur dit, voyez dans le pays. Aïs dit, oui, pour me voir dans le pays, il faut que le gouvernement là. Bail document. Ou bien bah, mon passeport, ou bien bah, mon feuille de route. Gouvernement ici, hein, pour une raison, pour l'autre, je ne sais pas qui ça te gagne. Il pas bail. Il n'y a pas bail pour un mois, il n'y a pas bail pour deux mois. Oh, voilà que le gouvernement américain n'a pas fait face à mon dilemme. Parce que les gens qui tombent dans la catégorie, M. Philippe, qui arrivent dans la situation, le gouvernement américain, après 6 mois, n'a pas qu'à quelqu'un dans la prison encore. Parce que, en vertu des décisions suprêmes des États-Unis, qui est Zach Vidas ou Zach Vidas, avocat immigration, qu'on est très bien, ça m'a parlé là, ou pas qu'à quelqu'un, après 180 jours, pas qu'à quelqu'un dans la prison encore. Or, le gouvernement américain dit, well, même M. Alain, même là, moi, pas t'a remis le rété là, parce que après 180 jours, il faut prendre décision. M'pas besoin monsieur a pas besoin de rester là et m'pas besoin de rester là tout et qui s'app ça si monsieur là ça si monsieur devait faire 80 jours et puis gouvernement haïtien pas de bail document well ou songez que gon antécédent déjà entre le gouvernement haïtien et le gouvernement américain pour l'autre citoyen intérêt Jean-Baptiste Jean-Baptiste c'est un citoyen américain intérêt gouvernement il était venu révoquer citoyenneté monsieur était venu perdre 4 résidences li tout et puis monsieur était venu tomber dans catégorie que les que yo fin fait tout ça avec pour faire avec Jean-Baptiste, il t'a pas déporté Jean-Baptiste dans pays. Et puis on songe très bien dans histoire là que et yo mandon feuille de route pour monsieur Jean-Baptiste. Et puis le consul haïtien à Miami d'alors qui c'était Patrick Latortue dit gouvernement attention en vertu de constitution haïtienne hein, monsieur Jean-Baptiste pas un citoyen haïtien encore parce que lors en vertu de constitution lors renoncer à citoyenneté haïtienne non les pour venir reprendre
faut faire une demande pour l'autre procédure pour demander le président de la République pour boire aussi citoyenneté haïtienne et faut que président lui-même lui prend arrêté présidentiel pour le publier dans le journal Le Moniteur pour recabor citoyenneté haïtienne. Oh monsieur Jean-Baptiste, c'était citoyen haïtien hier, il prend citoyenneté américaine, il vient perdre et citoyenneté américaine ni et citoyenneté haïtienne ni dans book dans livre pas nous hein. Monsieur pas haïtien. Après 6 mois ça qui est passé, il est obligé là que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vient tomber dans catégorie ça relé, on m'a même dit ça déjà dans un segment yo, il relé ça Procol, P R U C O L. Person residing on the color of law. Ça veut dire que gouvernement qu'on a là mais ou pas ni légal ni illégal. Donc à partir de ce moment-là, c'est dans catégorie ça monsieur Philippe t'a va tomber. Donc est-ce que monsieur Philippe t'a laissé ça peut-être pas? M'pas quoi ça parce que depuis les plis bargain dans ta négocier, elle dit que ça coule fin fait tani. Il va la gagner dans pays. Donc m'pas quoi pour qui raison que gouvernement haïtien pas d'accord. Et puis kounya pour gouvernement américain lui-même qui pas de blanc mais monsieur pas boy tout pour y accuser gouvernement, c'est pas défendre vienne défendre gouvernement, pas défendre ni une ni l'autre. On va expliquer Jean Bagalaye et légalement. Puis Mounan lui-même l'a fait conclusion parle. OK, now, le fait par exemple que le gouvernement haïtien a hésité pendant tout le temps ça pour les monsieur document pour là dire que monsieur pas d'accord avec le gouvernement haïtien. Guy Philippe. Ouais, nous qu'a fait conclusion, le gros public a cap garder là, il doit faire conclusion, le faire. Yo gen doit dire c'est gouvernement américain qui voyait Guy Philippe al faire ça là en Haïti. Yo gen doit dire c'est gouvernement haïtien pas de les recevoir. Yo gen doit dire tout ça vous voulez faire. Yo voulez, mais l'essentiel c'est que t'es gon peur réel, t'es gon pas une peur, t'es gon un souci réel que gouvernement américain pas de besoin monsieur pas ici. Monsieur pas de vérité peut-être pas le tout. Et t'es gon 6 mois que t'as pas marché sous gouvernement pour te dire que OK. Après 6 mois font la guerre. OK, casier légal que les États-Unis, est-ce qu'on pense l'empêcher monsieur soit candidat à l'autre poste président de Vesali en Haïti? Question docteur Fayette, question sentiment délicat ça aliment de pour nous débattre dans segment. Ah, pas, peut-être pas. Parce que l'organe de constitution haïtienne, il n'a pas dit un monde qui était en conviction, qui était condamné pour un bagaille dans Tombouctou, ou sinon dans Kalamazoo, ça, il a empêché de venir candidat dans le pays. La constitution n'a pas dit ça. Mais cependant, son fait connu et noté que M. Philippe a été mêlé avec la justice aux États-Unis. Non, si on a voulu venir candidat pour un poste, est-ce que c'est pral n'en fait connu en bralé ou sinon est-ce que c'est dans la constitution haïtienne en bralé? Question ça c'est pour bagaille nous ka répondre à la légère. C'est une question pour nous prendre ensemble pour analyser li et puis pour nous connaître qui ça gagne là-dedans. Mais l'essentiel c'est que ça groupe public ça téléspectateur avec téléspectateur se fait pour connaître que quel que soit monde qui était dans situation monsieur Philippe là après 6 mois faut gouvernement dire un mot avec lui. Parce que si gouvernement pas ka kembe ou il pas ka déporter dans pays côté soutien après 6 mois l'obligé. Je a besoin d'avocat tant que monsieur Trump en Haïti pour aller défendre la question. Docteur Fayette, pour pas consultation d'ailleurs. Monsieur Dago équipe solide même avec équipe Trump là qui pour marcher tribunal poli pour faire preuve là. Pour assurer que monsieur ca fait des suppositions. Exactement. OK d'accord. À la prochaine. Bon, et maintenant avec vous les faits qui ont dominé cette semaine l'actualité en Haïti avec notre équipe sur place à Port-au-Prince. Samba wayo. Ah, mais ne manger ranger ça allait. Alcali ça, trois de gouttes ça, pichon ça, madichon ça, guillon ça. Mais ça allait loin pour oublier Kaibor ici. Mais ne l'allait, tunnel n'a pas tirage lui. Dernier rel pour lever corps. Dernier coup de tiwel pour être des briques dans ton nom pour y'a qu'à fourrir ses cailles. Non, pour pas l'empile encore. Le problème d'arrêt, mais garder avec nous, qui est très important, dans le chantier ministère, parmi tout le chantier, c'est ça qu'on pourrait avec. Personnel éducatif dans le secteur public, dans l'école. Le ministère tendait réelles revendications, propositions, recommandations, directeur de l'école, quitte public, quitte privé, avec professeur. Pour ça, il y a pour avec régularisation personnelle. Ministère continuer à faire travail pour le faire, j'en ça t'a annoncé déjà. Pour que année ça, un chantier prioritaire, c'est remplacer enseignants qui pour une raison pour l'autre pas dans secteur encore. Ça qui parti ou ça qui quitter secteur. Et dans toute enquête que n'a fait année ça, enquête qu'a fait en ligne, eh bien ça permet nous d'ici à partir fin mois, nous commencer un chiffre tout bon.
sur qui quantité enseignant qui parle là dans le système d'accord, en façon pour que non j'ai fait à faire à travers le gouvernement central là pour être capable de remplacer personnel enseignant qui parti, qui quitte pays hein, ou qui quitte secteur ou personnel administratif. Ça parle un gros soulagement qui parle permettre que nous régulariser stagiaires nous surtout dans ça qui pour nouveau matière. Nous régulariser enseignants qui en salle de classe. Ministère a profité conférence presse pour la presse pour dire deux bagailles. N'a priorisé même là ce graduellement n'a fait pour que tout le monde qui a un profil yo passe de contrat à yo régularisation en administration pour diminuer tête chargée renouveler contrat chaque année. Bien sûr, son décision que nous prenons graduellement, a bien contrat année ça quand même, mais au fur et à mesure, et quand ça possible, nous avons tout déjà commencé avec régularisation en dans personnel administratif. Deuxième barre que nous avons remis aux enseignants, que nous avons d'accord avec eux, que nous avons entendu, eh bien, nous avons privilégié temps plein plutôt que temps partiel. C'est le pas de possibilité pour un temps plein que nous avons venu avec solution on cher, de cher, mais en général, toute nouvelle nomination a priorisé temps plein son façon dans aspect développement personnel professionnel enseignant que nous avons qui dédié qui gagne temps et qui capable bay temps pour secteur raison qui mène ULCC a gagné un rapport concernant mail pour river indexer quel que soit monde qui gagne matériel CNE dans mail si grand public là pas comme ça n'a dit ça c'est administration actuel DG à qui nous donne lui qui produit rapport ça rapport ça bah, yes, yes. Pour nous produire rapport ça nous t'est obligé monter une commission de géolocalisation équipement yo pour nous répertorier yo et puis pour nous produire rapport ça qu'on y a là nous t'est mettre la disposition avec disposition et ministère travaux publics avec puis fonction dans l'état les ULCC c'était à pied d'œuvre agent ULCC c'était à pied d'œuvre à travers toute la République là. Je t'ai cherché côté équipement CNE, nous même équipe ça tout, nous était sur place, nous était à pied d'œuvre tout, nous t'ai cherché. ULCC joine ça pour le joindre et que nous même pour nous rendre travail ça efficacité ou elle là, c'était administration qui nous donne lui hein, qui était remettre ensemble avec ULCC rapport ça. L'idée qui dit que directeur général là, il a fui la justice. Bon, ce n'est pas là que nous y est. Directeur général là, monsieur, c'est un grand commis de l'État, c'est un directeur général en fonction, qui vont arrêter, qui est sorti dans 25 mars et 25 septembre 2019, à date, pour qu'on arrêter, qui révoque monsieur comme directeur général. Donc, la loi dit, le ou gen un grand commis de l'État, ou quel que soit tribunal, vle tendel, il y a une procédure. Donc, c'est dans le cadre ça, directeur général qui nous donne lui, t'es obligé de recevoir invitation juste dimanche lui-même il était obligé écrit juste dimanche nous dit juste dimanche ils sont directeur général en fonction pas qu'à lever bon matin pour le porter tête y aller Bali et que il est disponible mais passer dans pire au niveau à pour pire au niveau à lui-même Bali autorisation pour le paraître devant juge là parce que aujourd'hui à là tout le monde qui la connaît très clair que matériel CNE les dispersés à travers toute la République. Cependant, nous, ouais, juge la cap font travail là, chaque moun nirele, moun nan zou non, ou jamais, pas de jamais 10, pas de jamais 10. Nous-mêmes, nous mettons en défi l'administration CNEA pour yon moun zi, rapport qui mentionné, par exemple, si Pierre, si Marie, ou bon l'odeur nan moun, qui date de tel mac, administration CNU a dit le devant partout. À moins que, dans le moment où on a parlé à la, ou du moins la semaine dernière, il y aura l'air de le mettre dans l'autre position. Donc, pas de diffamation qui a fait sous. Personne, nous font un rapport, nous n'avons pas de problème avec personne. Gros camarades qui se demandé comment le matériel CNU fait arriver et papier là. Nous tous qui là, nous connaissons gagné projet président qui était Caravane Changement. Caravane Changement, là, l'a lancé pour le 1er mai 2017. Il était lancé ensemble avec CNE. Mais, au cours de route, le caravane a sorti la Tibonite pour traverser la ville de Grand Sud. Depuis lors, CNE lui-même, dans la gestion matérielle,
vient perdre le contrôle lui, mais c'est pas une faute administrative non, c'est parce que on série de monde zélé dans pays a que pas choisir cité non. Le matériel tel côté a travail, il ca permuté sans administration seigneur pas même compte s'il était permuté quitter grand nord à l'est grand sud. Mais c'était toujours dans même cadre travail caravane là. 3 mois après traverser dans le sud, chaque côté matériel ça arrivé gon particulier au chef tout puissant ami président parce que c'était le programme du président. Moi j'ai pile non. Moi mon talent, attends-moi. Bon enquête qui en cours. Est-ce que moi obligé ba ou côté qui est matériel? Oui, me connais côté matériel. Mais est-ce que là il essaie dire côté ou même ou bien enquête là ou elle en question. Est-ce que l'ILC c'est pas mettre nous ça en sous? Oui. L'ILC c'est figurer tout nos son dossier. L'ILC qu'on est ou gain la femme. Ou gain la femme. Donc si après le tel, c'est parce que non figurer quelque part. Donc, mais ça l'a dit pour nous compliquer ça dossier bien. Je pas oublier personne. Mais ça me veut dire. Lorsque le matériel là. Attendez. Ou pas oublier que moi-même, je recevais la sommation de chef déjà. Je ne pas oublier. Je suis même déjà comme moun qui t'a dénoncé que le matériel qui était côté. Je ne pas oublier. Mais d'où, je ne pas travailler et enquête juge là. Je ne quitte enquête la faire chemin pendant que je dis que je dis à ce que je suis en train de matériel zéné. Alcool à votre matière, c'est comme tout bon la vie. Corail, tout bon la vie. Tout bon la vie. Al plaisant soit pour eux. Allez, la Timon doit pour eux. De plaisant du sud. Pour eux. Donc ça veut dire que pendant le caravane de changement, monsieur tout puissant, de quoi faire travail dans la zone de la caille, non? Matériel là, tout est à caille. Allez la vache, après. Allez la vache qu'on a là, ou après, matériel, c'est un campé, la vache. Al port de paix, plateau central, pour eux. Altomasi quoi pour eux là. Nous même nous dit que la période Kington Louis, directeur général là, pas de jambes de chantier. Tenez bien ça me dit. Pas de chantier pendant le directeur général là. Et qui pour ta transporter matériel en province. Donc c'est pas le fait que tu as des matériel qui a circulé et il demande lui-même pour le moto et le service qui est le service à patrimoine de supervision pour ne pas rapatrier. Et ça fait du tout. Sous Jude Célesté. Il a fait travail pour vous, il n'a pas quitté le matériel à la main. Donc cependant, nous-mêmes nous disons, ce matériel nous besoin pour nous travailler dans ce de la caille, parce qu'il n'y a pas de chantier, c'est ça qui fait nous chercher matériel, nous bousquer matériel tout côté pour nous rapatrier, pour nous travailler. Je dis à la, c'est un travail avec la mairie. Il travaille avec la direction départementale pour permettre de retirer Fatra. Si nous ne pouvons pas marcher dans ton prise. Combien nous avons rapatrié déjà? Matériel? Nous avons rapatrié plus que 200 matériels déjà. Rags Home Care, by Service Nursing Home Care, Silipap, dans 5 de New York, yo, avec Nassau County. Professionnel Rags, qualifié et certifié dans l'État New York, et c'est membre Union 1199. Job, c'est by client soin, confort, respect et assisté au Piovin indépendant. Rags, 718. 345-5940. Legacy Pharmacy, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un Safrou 3 et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 South Boat Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908-352-0050. Ici, mesdames, messieurs, prend fin cette édition Première Classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti Première Classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti Première Classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973-568-7447 ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de cette édition, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée coréenne pour la réalisation de ce programme, notamment notre éditeur Eddie André, nos caméramans Wilkins Haïti Prince et Forge, Joseph Rosaillon, Michel Jeudi et Pierre Léandre, nos maquilleuses Sheila Jean et Simone Desbagues, assistée de Franck Charles, sous la direction de l'ingénieur Nelson et Pierre-Louis. Nous vous rappelons ce soir à partir de 9h, vous avez rendez-vous avec votre émission de radio Haïti.classe sur le 91.5 FM, émission qui sera relayée par Radio Centre-Ville à Montréal. Bon dimanche. This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class LLC.